Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, donc on se retrouve pour le club en commun. Donc c'est un petit concept que j'ai inventé qui se déroulera en deux parties, les poteaux. Donc la première partie, je vous ferai deviner 5 clubs, et deuxième partie aussi 5 clubs. Donc la deuxième partie arrivera dans quelques jours, je ne sais pas encore quand. Mais bon, un petit exemple, en gros, je vais vous donner 3 joueurs, et dans ces 3 joueurs, ils sont passés dans un même club et ce club, vous devrez le trouver. Donc, c'est un petit challenge et je vais vous montrer avec un petit exemple. Donc, par exemple, le PSG. Donc, là, Neymar vient juste d'arriver au PSG. Mais, exemple, si on prend Neymar avec la carte de Barcelone. Donc, Neymar, Ibrahimovic et David Luiz. Donc, je ferai comme ça. Neymar, Ibrahimovic, David Luiz. Et vous devrez trouver le club. Donc, là, voilà. Je vous mettrai un joueur du PSG. Par exemple, donc Thiago Silva. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc là, les mecs, on commence avec le premier club. Donc le premier club. Donc je vais pas vous le dire tout de suite. Donc je vais vous donner Ivan Rakitic, Sergio Ramos et Grégor Krikoviak. Donc voilà, trois petits indices. Enfin, trois joueurs, pardon. Donc voilà, essayez de trouver le club. Et ensuite, je vous donnerai un petit indice. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Petit indice, c'est un club de Liga Santander. Donc, c'était FC Séville. Donc voilà. Grégor Krikoviak est arrivé en provenance du FC Séville. Ah, donc à Paris. Et ils sont bien passés, Rakitic et Ramos sont bien passés au FC Séville. Donc, le deuxième club à trouver. Donc, Leonardo Bonucci, Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva. Donc là, je tenais à vous donner une petite précision. Il se peut que dans la liste de trois joueurs, il trouve un joueur. Donc, il se trouve qu'il y ait un joueur qui joue dans le club actuel. Donc voilà, là, petit indice, gros indice, il y a un des trois joueurs qui joue dans ce club actuellement. Donc, c'était l'AC Milan. Donc voilà, avec Bonucci, donc c'était lui qui joue actuellement, qui vient d'être transféré. Et Zlatan et Thiago Silva viennent enfin, ont joué dans ce club. Donc, troisième club. Donc, si je vous donne comme prénom Raja Nengolan, Lucadine et Mohamed Salah. Donc vas-y, allez trouver le club. Donc il est un peu plus difficile. Je pense que ça va être Lucadine qui va vous compliquer la tâche. Mais bon, imaginez-vous, on enlève Lucadine. Donc il vous reste que Nengolan et Mohamed Salah. À quoi pouvez-vous bien penser? Je vais vous donner quelques secondes. Et c'est un club de Calcio. Donc Serie A pour les anciens. C'était l'AS Roma. Donc voilà, Lucadine, avant d'arriver au Barça, était passé du côté de l'Italie. Et Mohamed Salah vient juste d'être transféré à Liverpool, mais en provenance de la Roma. Ensuite, les mecs, je pense que ce club va être un peu plus difficile à trouver, pardon. Donc, Miralem Pjanic, Karim Benzema et Hugo Lloris. Bon, vas-y, peut-être que quelques personnes l'ont déjà trouvé. Donc, petit indice, c'est un club de Ligue 1. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez plus de temps pour chercher. Donc, c'était l'Olympique Lyonnais. Donc j'ai mis Nabil Fekir pour représenter l'OL. Donc voilà. Ces trois joueurs sont passés par l'Olympique Lyonnais. Et pour le tout dernier club, donc le cinquième et dernier club, je vais vous dire Djuart, Edin Dzeko et Eliakim Mangala. À quel club pensez-vous, à votre avis? Eliakim Mangala, Edin Dzeko et Djuart. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Petit indice, c'est un club d'Angleterre, donc de première ligue.
donc. Mettez pause si vous voulez encore un peu plus chercher. Mais je vais vous donner la réponse. C'était bien évidemment Manchester City. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce concept. Donc, il y aura une partie 2. Donc, avec de nouveaux clubs, bien évidemment. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Surtout, abonnez-vous. Et moi, je vous dis ciao.